Salzburg ist eine perfide Fassade, auf welche die Welt ununterbrochen ihre Verlogenheit malt und hinter der das oder der Schöpferische verkümmern und verkommen und absterben muss. Meine Heimatstadt ist in Wirklichkeit eine Todeskrankheit, in welche ihre Bewohner hineingeboren und hineingezogen werden, und gehen sie nicht in dem entscheidenden Zeitpunkt weg, machen sie direkt oder indirekt, früher oder später, unter allen diesen entsetzlichen Umständen entweder urplötzlich Selbstmord oder gehen direkt oder indirekt langsam und elendig auf diesem im Grunde durch und durch menschenfeindlichen, architektonisch, erzbischöflich, stumpfsinnig, nationalsozialistisch, katholischen Todesboden zugrunde. Salzburg est une façade perfide sur laquelle le monde peint sans interruption sa mystification et derrière laquelle l'esprit ou l'individu créateur doit nécessairement s'étioler, dépérir et mourir à petit feu. Ma ville natale est en réalité une maladie mortelle, sous le joug de laquelle ses habitants tombent à leur naissance ou vers laquelle ils sont entraînés. Si, à l'instant décisif, ils ne s'en vont pas, tôt ou tard, ils se suicideront, directement ou indirectement, totalement à l'improviste, sous l'effet de toutes ces conditions affreuses. Ou bien, ils périront, directement ou indirectement, lentement et misérablement sur cette terre mortelle, archiépiscopale par l'architecture, abrutie dans le national-socialisme et le catholicisme, et, au fond, intégralement ennemi des hommes. Pour qui la connaît, elle et ses habitants, cette ville est à la surface un beau cimetière, mais sous la surface, un cimetière effectivement terrible des imaginations et des désirs. Pour l'écolier ou l'étudiant qui essaie de trouver le bon chemin et le bon droit dans cette ville, qui jouit d'un renom de beauté édifiante, et qui, par surcroît, autant des soi-disant festivals, jouit du renom du soi-disant grand art, cette ville ne tarde plus à n'être qu'un musée glacé de la mort, ouvert à toutes les maladies et les bassesses. L'internat cachot signifie de plus en plus une aggravation de peine et finalement une absence totale de perspective et d'espoir. Que ceux qui l'aimaient, comme il l'a toujours cru, l'ont jeté en pleine conscience dans ce cachot construit par l'État, il ne le comprend pas. Ce qui l'occupe en premier lieu, dès les premiers jours, c'est naturellement l'idée de suicide. Étouffer la vie ou l'existence pour ne plus être forcé de les vivre et d'exister. Mettre fin à cette misère et à cette détresse complète soudainement apparue, en sautant par la fenêtre ou en se pendant, par exemple, dans la petite pièce où l'on range les chaussures au rez-de-chaussée. Cela lui paraît la seule chose à faire, mais il ne la fait pas. Toujours quand il travaille le violon dans la petite pièce où l'on range les chaussures, elle lui a été attribuée par Grünskranz parce qu'il travaille le violon, il pense au suicide. C'est dans la petite pièce où l'on range les chaussures que les possibilités de se pendre sont les plus grandes. Obtenir une corde n'implique pour lui aucune espèce de difficulté. Et dès le second jour, il fait un essai avec ses bretelles. Mais abandonne cet essai et travaille sur le violon. Dans le cabinet aux chaussures, il est seul avec lui-même et seul avec ses idées de suicide qui commencent dès qu'il travaille le violon. Ainsi, entrer dans le cabinet aux chaussures, qui est sans aucun doute la pièce la plus effrayante de tout l'internat, c'est chercher refuge en lui-même sous le prétexte de travailler le violon. Et il travaille le violon avec une telle force dans la petite pièce aux chaussures que même pendant qu'il travaille le violon dans le cabinet aux chaussures, il craint sans cesse que la petite pièce aux chaussures doive exploser à tout instant.
Voilà, ce passage ouvre le premier volume de l'autobiographie de Thomas Bernhardt et est intitulé « L'origine, simple indication ». Une autobiographie placée sous le signe de Montaigne et qui comportera 5 volumes, qui couvre la période historique entre sa naissance en 1931 et le moment où le jeune Bernhardt, convalescent, ayant largement dépassé ses 19 ans, quitte le sanatorium où il fut soigné pour une tuberculose. Donc, le régime clérico-fasciste en Autriche, l'Anschluss, la Deuxième Guerre mondiale, le national-socialisme et l'après-45, l'absence d'une dénazification efficace et le mensonge d'État selon lequel le pays a été la première victime de l'agression hitlérienne et non pas largement complice. Cette histoire politique fait partie intégrante du roman familial de Bernhardt. On est d'emblée convié à une sorte de scène originelle. Et le titre original, Die Ursache, ce n'est pas tellement l'origine, en fait, c'est la cause. C'est bien une relation de cause à effet qu'on nous indique d'emblée. Le garçon de 13 ans est confronté à l'institution scolaire et donc à l'État. Ce schéma binaire, basé sur l'antagonisme irréductible entre un sujet et un État bien particulier, va structurer tous les textes de Bernhardt. Pour survivre, il faut un lieu refuge et une pratique artistique. Et des lieux refuges, il y en aura beaucoup dans l'œuvre et aussi dans la vie de Bernhardt. Avec ses premiers droits d'auteur, il acquiert une ferme légendaire, la ferme Carré, et il écrit ceci. « Ma ferme dissimule ce que je fais. Je l'ai murée, je me suis claquemurée, à raison, ma ferme me protège. » Dans le roman Correction, ce sera une mansarde tapissée de citations chez un taxidermiste. Lieu refuge, antagonisme, il faudra nommer l'adversaire, le nommer encore et encore, et s'assurer le secours d'alliés puissants. Ce seront les nombreux maîtres, comme le grand-père ou Montaigne. Ce garçon de 13 ans porte le nom de famille de sa mère, qui porte le nom de sa mère à elle, qui porte le nom de son premier mari, qu'elle a quitté pour suivre un jeune homme, Johannes Freumbichler, futur écrivain largement privé de succès. Mais ce nom, venu de nulle part, Bernhardt va se l'approprier. En 1972, il est déjà assez célèbre, il constate avec satisfaction, en consultant une encyclopédie populaire dans une librairie, que son nom figure à la deuxième place, certes derrière Saint Bernard de Clairvaux, mais tout de même devant le prince Bernard des Pays-Bas. Du coup, il l'achète. Et à sa mort, quelques mois après la création de Place des Héros au Burgtheater, j'y reviendrai plus tard, de Vienne, il deviendra lui-même une sorte de saint. Sa sainteté, le trouble fait. Celui qui crache dans la soupe, qui souille le nid, et il deviendra l'objet d'un véritable culte de la personnalité. Voilà comment il se définit lui-même. L'homme ne veut pas se laisser troubler par le trouble fait. Un pareil trouble fait, je l'ai été toute ma vie. Et je serai et resterai toujours le trouble fait. Nom dont j'ai toujours été qualifié par ma famille. J'ai toujours dérangé et j'ai toujours irrité. Tout ce que j'écris, ce que je fais est dérangeant, irritant. Ma vie entière en tant qu'existence n'est rien d'autre qu'une volonté constante de déranger et d'irriter. À sa mort, Elfriede Jelinek écrira « Personne ne pourra contourner ce géant mort ». Et si Virgile a écrit l'Énéide pour légitimer l'Empire romain, Bernhardt aura toute sa vie écrit pour délégitimer cet État autrichien. Pour Klaus Peymann, qui était son metteur en scène attitré, Bernhardt est donc le plus grand poète et patriote autrichien. Il se tient tout près de Mozart. Et en février 2021, la presse et les médias en Allemagne et en Autriche ont commémoré, sans attendre le centenaire, son 90e anniversaire avec une véritable avalanche d'hommages. Mais qu'en est-il de l'autre origine biologique de la naissance ? Elle sera racontée dans le dernier volume. Elle est frappée d'un interdit puissant. Il naît à Herlaine
aux Pays-Bas. Sa mère est partie en Hollande pour cacher sa grossesse. Elle accouche dans une institution pour femmes déchues. Le nourrisson passe ses premiers jours sur un chalutier, ensuite dans un institut. La mère travaille comme aide ménagère. Elle vient voir son fils le dimanche sans avoir le droit de le sortir de son lit. Le père ne reconnaît pas l'enfant, il disparaît en Allemagne. L'enfant n'aura pas le droit de prononcer son nom et durant sa vie d'adulte sera réduit à des présomptions. Assommé, fusillé, par qui, se demande-t-il. Nous pouvons en savoir plus. Grâce à un homme qui a vécu non loin d'ici, Louis Huguet, professeur de littérature allemande à l'université de Perpignan, fut saisi d'une véritable furie généalogique. Il a passé plus de 10 ans, ça arrive quand on lit Bernard, il a passé plus de 10 ans à écumer des centaines d'archives et accumuler une documentation de plus de 600 pages publiée par les presses universitaires de Perpignan. Il a réussi à trouver la trace du père parti en Allemagne. Ce père s'est marié à une fille, a divorcé, il a sombré dans l'alcool et en 1940, dans son logement à Berlin, il a ouvert le gaz. La mère envoie le fils de 7 ans à la mairie chercher les 5 marques que l'État payait pour son entretien pour un mois. Et elle lui dit, afin que tu vois ce que tu vaux. Mais pour l'instant, on va voir ce qui attend ce garçon de 13 ans. À présent, j'étais au Johanneum. Telle était la dénomination nouvelle de l'ancien établissement qui, dans l'intervalle de temps que j'avais passé chez mes grands-parents, avait été rendu logeable. L'établissement national-socialiste qu'il avait été changé en un établissement strictement catholique. À l'intérieur de l'internat, je n'avais pas pu constater de changement frappant. Mais ce qu'on avait appelé la salle de jour, où nous avions été éduqués dans le national-socialisme, était devenu à présent la chapelle. Au lieu du pupitre du conférencier derrière lequel Grünskranz se tenait avant la fin de la guerre et nous avait instruits dans les doctrines de la Grande Allemagne, il y avait à présent l'autel. À l'emplacement où le portrait de Hitler était au mur, une grande croix était à présent accrochée. Et au lieu du piano sur lequel Grünskranz jouait pour accompagner nos chants nationaux socialistes, Die Fahnenhoch, ou « Es zittern die Morschenknochen », il y avait un harmonium. Toute la salle n'avait même pas été repeinte complètement. Pour le faire, l'argent manquait manifestement, car à l'endroit où à présent la croix était accrochée, on pouvait voir encore sur la surface grise du mur l'emplacement qui frappait par la blancheur qu'il avait conservée où, durant des années, le portrait de Hitler avait été accroché. À présent, nous ne chantions plus « Die Fahnenhoch » ou nous n'écoutions plus dans cette salle au garde-à-vous les communiqués spéciaux à la radio, mais nous chantions accompagnés à l'harmonium « Mestern ich dich grüße » ou « Grosser Gott, wir loben dich ». Nous ne nous précipitions plus non plus à 6 heures de nos lits, au lavabo, puis à l'étude pour y entendre les premières nouvelles du quartier général du Führer, mais pour recevoir la Sainte Communion dans la chapelle. Les traces extérieures du national-socialisme à Salzbourg avaient été effectivement entièrement effacées, comme si cette époque affreuse n'avait jamais existé. À présent, le catholicisme était encore une fois sorti de l'oppression et les Américains gouvernaient tout. Les autres êtres humains, je les rencontrais dans le sens opposé, en cessant d'aller au lycée que je détestais pour me rendre au lieu de mon apprentissage, ma planche de salut. Contre toute raison, en cessant d'aller vers le centre de la ville par la Reichenhallerstrasse avec le fils d'un haut fonctionnaire, pour me diriger vers la périphérie par la Rudolf-Bibel-Strasse avec le compagnon serrurier de la maison voisine,
en ne prenant pas le chemin qui traverse les jardins à l'abandon, passe devant les villas artistement construites et mène à la haute école de la bourgeoisie, grande ou petite. Mais en passant devant l'institution pour aveugles et sourds-muets, en franchissant les remblais du chemin de fer, en prenant par les jardins ouvriers, en longeant la palissade du terrain de sport près de l'asile d'aliénés de Lehen, pour me rendre à la haute école des marginaux et des pauvres, la haute école des fous, la cité de Scherzhauserfeld, quartier de terreur absolue de la ville, la source de presque tous les procès des cours pénales de Salzbourg, pour me rendre dans la cave convertie en magasin de comestibles de Karl Podlar, un homme détruit avec un caractère sensible de Viennois qui avait voulu devenir musicien et était toujours resté petit boutiquier. J'avais le sentiment d'avoir échappé à l'une des plus grandes absurdités humaines, le lycée. Je sentais soudain que mon existence était de nouveau une existence utile. J'avais échappé à un cauchemar. Je me voyais déjà bourrant les sacs à provisions de farine, de graisse, de sucre, de pommes de terre et de semoule. J'étais heureux. J'avais fait demi-tour au milieu de la Reichenhaller Straße. J'étais allée à l'office du travail. Je n'avais pas laissé un instant de repos à la fonctionnaire. Elle m'avait proposé beaucoup d'adresses, mais pendant longtemps, aucune dans le sens opposé. Je voulais aller dans le sens opposé. Cette notion, aller dans le sens opposé, je l'avais sans cesse énoncé en moi-même sur le chemin de l'office du travail, sans cesse. Dans le sens opposé, la fonctionnaire ne comprenait pas quand je disais « dans le sens opposé », car je lui avais dit une fois « je veux aller dans le sens opposé ». Elle me jugeait vraisemblablement fou, car je lui avais effectivement dit plusieurs fois « dans le sens opposé ». Comment, pensais-je, pouvait-elle d'ailleurs me comprendre alors qu'elle ne savait absolument rien de moi, pas la moindre chose? Désespérant déjà complètement de moi et de son fichier, elle m'avait proposé une série de places d'apprenti, mais ces places en totalité n'étaient pas dans le sens opposé et il me fallait refuser ces offres. Je ne voulais pas aller dans un autre sens, je voulais aller dans le sens opposé. Un compromis était devenu impossible. C'était pourquoi la fonctionnaire avait dû sans cesse recommencer à extraire une fiche du fichier et j'avais dû refuser cette adresse du fichier parce que je voulais aller sans compromis, dans le sens opposé, non dans un autre sens, seulement dans le sens opposé. Ce n'était pas parce que j'étais catholique que j'allais à la chapelle les dimanches, mais parce que je n'étais pas seulement devenu un être qui aime la musique, mais un fou de musique qui avait toujours le dessein de faire de la musique le signe suprême attestant la justification de son existence et sa seule vraie passion, le complexe de sa vie. Ainsi, ces dimanches, debout à côté de l'harmonium sur lequel jouait mon ami chef d'orchestre, je chantais une messe de Schubert. Les dimanches, à 6 heures du matin, une dizaine ou une douzaine de malades se rassemblaient ici pour chanter dans leurs robes de chambre, leurs pull-over râpés de laine bon marché, et chantaient, avec la ferveur de l'amateur, la messe de Schubert à la gloire et en l'honneur du Dieu éternel. Trois ou quatre sœurs de la Sainte-Croix stimulaient ces pauvres voix sortant de gorges amaigries et tremblantes, les poussaient dans le kyrie et continuaient ainsi, inflexiblement et inexorablement tout le long de la messe jusqu'à l'Agnus Dei, où le plus haut degré d'épuisement était alors atteint. Celui qui chantait ici avait la faveur des sœurs infirmières.
Il était, avant les autres, en possession d'une couverture plus chaude. Il pouvait espérer obtenir un drap en meilleur état avant les autres, une place à la fenêtre d'où l'on avait une meilleure vue. À la fin, grand Dieu, nous chantons ta louange, toujours avec la plus grande intensité possible, sortant de toutes ces gorges rongées, croissantes. J'étais là, chantant avec les autres, criant avec les autres, croissant avec les autres. Et j'avais mon regard dirigé vers ces têtes branlantes, transpirantes, haussées par des coups gris et maigres comme par des carcans. Derrière moi, j'avais sur le mur les faire-part de décès des morts. Devant moi, les chanteurs vivants. Ils chantaient jusqu'à ce que leur nom soit collé derrière moi sur le mur. Alors arrivent de nouveaux chanteurs et ainsi de suite. Moi-même, je me défendais contre le fait que mon nom soit un jour collé sur ce mur et encadré de noir. Je ne chanterai pas ici jusque-là, avais-je pensé. Tu chantes dans le cœur jusqu'à ce que tu abandonnes ta fonction, ton nom est collé sur le mur un certain temps, et puis un jour, pas très éloigné, il est remplacé par un nouveau nom. Il criait « Grand Dieu, nous chantons ta louange » et se dissolvait en une feuille de papier imprimée sans aucun goût. Il tenait par une punaise. À peine étais-je éveillée, et comme tous les matins depuis des mois, avais-je observé consciencieusement la prescription de prendre ma température. J'étais déjà en compagnie de mes livres, mes amis les plus proches et les plus intimes. C'était seulement à Grotzmein que je m'étais avisée, soudainement d'une façon décisive pour ma vie ultérieure, de m'adonner à la lecture. Cette découverte que la littérature peut amener la solution mathématique de votre vie et à chaque instant également de votre propre existence, quand on la met en mouvement et qu'on la pratique en tant que mathématique, donc avec le temps, comme un art supérieur et finalement comme l'art mathématique suprême, qu'il faut d'abord posséder complètement pour pouvoir le qualifier d'acte de lecture. Cette découverte, je n'avais pu la faire qu'après la mort de mon grand-père. Cette pensée et cette connaissance, je les devais à sa mort. J'avais donc rendu mes journées instructives et utiles. Elles avaient également passé plus vite. Avec la lecture, j'avais jeté un pont par-dessus des abîmes ouverts ici à tout moment. J'avais pu me sauver des états d'âme visant seulement à la destruction. Je me plongeais dans Verlaine et Trakl et je lus Les démons de Dostoïevski. Un livre d'un esprit tellement insatiable et radical et, d'une façon générale, un aussi gros livre, je n'en avais jamais lu auparavant dans ma vie. Je me grisais. Pour quelque temps, je ne fis plus qu'un avec les démons. Lorsque je fus revenue, je refusais un certain temps de lire autre chose, parce que j'avais eu l'intime certitude de tomber dans une immense déception. Des semaines durant, je refusais toute lecture. La monstruosité des démons m'avait donné de la force, montré un chemin, dit que j'étais sur le bon chemin pour sortir. J'avais été touchée par une œuvre littéraire furieuse et grande, afin que j'en surgisse moi-même transfigurée en héros. Et il n'a pas été fréquent dans ma vie ultérieure que la littérature ait eu une si immense action.
Voilà. Thomas Perrandot a 19 ans quand il quitte le sanatorium après avoir frôlé la mort à plusieurs reprises. Pour l'instant, il envisage sérieusement une carrière de chanteur, mais ses tentatives sont infructueuses. Hedwig Stawianicek, une veuve de 36 ans, son aînée, l'entend chanter à l'église et s'attache au jeune homme. Elle sera sa compagne de vie, son Lebensmensch, son être vital. S'en suivent 13 années mystérieuses, des années de formation, de tâtonnements et d'échecs répétés, de voyages, de lectures. Il est chroniqueur au quotidien social-démocrate de Salzbourg. Il commence à publier poèmes et récits dans la presse. En 1955, il entre au Mozarteum, le conservatoire de musique et d'art dramatique de Salzbourg, et il poursuit sa formation musicale, prend des cours de comédie, étudie la mise en scène et publie déjà une violente attaque contre le théâtre régional et sa médiocrité, qui lui vaut son premier procès en diffamation. Il y en aura beaucoup d'autres. Dans ses articles, on découvre un jeune homme timide, amateur de folklore régional, qui rédige aussi des articles à la gloire de la ville de Salzbourg. Attention. Certes, il a fourni les textes qu'on lui demandait, mais s'agit-il d'un masque? Ou a-t-il vraiment adhéré à l'idéologie bien pensante qu'il dénonce dans son autobiographie? Une idéologie encore très ancrée dans les années 30, lorsqu'on opposait le monde rural intact et supposé sain à la capitale, lieu de perdition, peuplé de juifs, de socialistes et de communistes. Son grand-père, écrivain du terroir, avait exalté le monde paysan du 19e siècle dans un roman qui reçut un prix en 1937, sous le régime clérico-fasciste quand même. Plus tard, Thomas Bernhard confiera à un proche « Tout ce que je trouve horrible, mon grand-père le trouvait beau. » Il séjourne au Tonhof, c'est un domaine en Carinthie où le couple Lampersberg, lui est compositeur, elle chanteuse, reçoivent l'avant-garde viennoise. Il écrit de courtes pièces de théâtre, des livrets, des ballets. Il réussit en à peine un an à faire publier 3 recueils de poésie, mais le suivant, sur lequel le plus ambitieux, est refusé. Échec. Alors cette poésie de ses débuts, c'est une poésie d'inspiration ouvertement catholique. Et c'est très étonnant. On trouve des prières, des confessions, des psaumes. C'est une poésie doloriste derrière laquelle on peut supposer une vraie souffrance. On y trouve Jésus sur sa croix, le Seigneur. Alors je me souviens d'un poème pour vous situer ça un peu. Ça commence par « Seigneur mon Dieu, je suis indigne de ces chants et de ces sillons ». Donc c'est un peu étonnant quand on connaît Thomas Bernhard. Mais il voyage et surtout il dévore toute la poésie moderne. Il travaille inlassablement à des romans, mais il essuie 3 refus. Des projets romanesques visiblement marqués par Dostoïevski, où il est question de tourments amoureux et sexuels, de jeunes garçons abusés, voire mutilés. En 1962, il envisage de partir en Afrique au Ghana dans la coopération humanitaire. Mais en 1963, la publication de son premier roman, Frost, gel en français, est une véritable révélation. C'est un coup de maître. La noirceur de cet univers enclavé, peuplé de paysans dégénérés, l'hostilité de la nature, le froid qui y règne à l'extérieur et à l'intérieur, la folie du protagoniste, le peintre Strauss, la singularité de cette écriture et ce dispositif narratif avec le primat de la diction sur la fiction sont comme une douche froide dans une Allemagne en plein miracle économique avec sa foi dans le progrès. Le pape de la critique littéraire en RFA se tait et plus tard il va avouer qu'il craignait de ne pas être à la hauteur de cette prose. Ce succès retentissant plonge Bernhard dans une dépression pendant des mois. Il conduit des camions pour une brasserie viennoise. En 1965, il acquiert sa ferme carrée en arrachant à son éditeur une avance de 40 000 Deutschmark, obtenue en 20 minutes alors que celui avait 40 fièvres. 1000 Deutschmark par degré de fièvre et par 2 minutes, calcule Bernhard plus tard dans un texte pour les 60 ans de son éditeur. Un jour, Elias Canetti, ce grand écrivain que Bernhard a permis aussi de redécouvrir, prix Nobel plus tard, rend visite à Bernhard en sa ferme. Et après, il écrit ceci.
le prince de la ferme carrée. Les trois sièges trônent. 20 paires de chaussures et de bottes, vides. 40 petits cruchons de bière, vides. La grande étable blanche, vide. 6 chambres au rez-de-chaussée, vide. 6 chambres au premier, vide. Canetti est d'ailleurs littéralement obsédé par Bernhard. Il se voit dans le rôle d'un père spirituel et il se demande « Est-il mon fils spirituel? Suis-je son vrai père ?» C'est-à-dire celui qui le reconnaît. Mais il pense qu'il doit partager ce rôle avec Beckett en se demandant « Bernhard, cet avorton de moi de Beckett est une nature paysanne autrichienne. » À un moment donné, Canetti émet des... révise son jugement et émet des critiques à l'égard de Bernhard. La réaction de Bernhard est dans une lettre à un grand hebdomadaire allemand et d'une grande brutalité. Il le traite de sénile, d'une sorte de Kant au rabais, de Schopenhauer à la petite semaine. Leur grand différent est évidemment leur attitude face à la mort qui est pour Canetti le grand ennemi, l'adversaire absolu. En 1967, Bernhard subit une grave opération. C'est l'ablation d'une tumeur dans la poitrine. Le diagnostic, morbus Buck, c'est-à-dire une sarcoïdose qui atteint les poumons et le cœur. Il sait qu'il est condamné à moyen terme. Son deuxième roman, Perturbation, avec le grand monologue du prince Saurau, fait de nouveau sensation. Peter Handke fait part de sa fascination dans un article qui se termine par « Je lisais, lisais, lisais ». Durant ces années, une véritable pluie de prix littéraires s'abat sur lui. Il en fera le récit jubilatoire et merveilleusement comique dans une publication posthume qui s'appelle « Mépris ». L'année 1970 apporte la consécration définitive, le prix Büchner, qui est le prix le plus prestigieux en Allemagne, la création aussi maintenant de sa première grande pièce, « Une fête pour Boris » par Klaus Peymann, et le tournage d'un téléfilm. Trois jours, il est sur un banc face à la caméra et il parle. Donc trois jours, il se livre face à la caméra à une réflexion sur sa vocation d'écrivain. Pourquoi cette obscurité? Toujours cette obscurité totale dans mes écrits? L'explication en est simple. Dans mes écrits, tout est artificiel. C'est-à-dire que tous les personnages, les faits, les incidents se jouent sur une scène. Et la scène est totalement plongée dans les ténèbres. Les personnages qui paraissent sur l'espace carré de la scène sont mieux reconnaissables dans leurs contours que sous un éclairage normal, comme c'est le cas dans la prose ordinaire. Dans l'obscurité, tout devient clair. Pas seulement les apparitions, ce qui relève de l'image. Non, la langue aussi. Et il faut imaginer des pages totalement noires. Le mot s'éclaire. De là, sa netteté ou sa netteté redoublée. Je me suis servi dès le début de ce moyen artificiel. Lorsque l'on ouvre un de mes livres, il en va aussitôt ainsi. Il faut imaginer qu'on est au théâtre. Avec la première page, on lève un rideau, le titre apparaît, obscurité complète. Et lentement, de ce fond, de cette obscurité, surgissent des mots qui se transforment en des processus de nature tant intérieure qu'extérieure et qui, à raison même de leur caractère artificiel, deviennent tels avec une particulière netteté. Pour moi, le plus effrayant est d'écrire en prose. Rien de plus compliqué. Aussi, depuis l'instant où je m'en suis aperçue, j'ai fait serment de n'écrire qu'en prose. J'aurais pu devenir tout autre chose, j'ai appris beaucoup d'autres disciplines, mais aucune n'était effrayante. Jeune encore, vers les 16 ou les 18 ans, je ne haïssais rien autant que les livres.
Je vivais alors chez mon grand-père qui écrivait beaucoup et possédait une immense bibliothèque. Et être tout le temps au milieu des livres, devoir traverser la bibliothèque chaque jour était pour moi presque un supplice. Et vraisemblablement, en vérité, pour quel motif me suis-je mis à écrire? Pourquoi est-ce que j'écris des livres? Par pur esprit de contradiction à l'égard de moi-même. Par opposition à un état de fait. Parce que résister, comme je l'ai dit déjà, exprime à mes yeux tout. Je désirais vivre en état de permanente opposition. Voilà pourquoi j'écris de la prose. Peut-être mon attitude résulte-t-elle d'un séjour à l'hôpital à 18 ans où je suis restée couchée pendant un an, où j'ai même reçu ce que l'on désigne encore, je crois, par les termes d'extrême onction. J'ai passé ensuite par un sanatorium, des mois entiers en haute altitude, perpétuellement face au même sommet. Je gisais sur une sorte de lit de camp à la couverture grisâtre. J'ai passé ainsi un automne et un hiver en plein air, de jour comme de nuit. C'est là que j'en suis arrivée à écrire, à force d'ennui, parce qu'on ne peut pas rester éternellement couché face à la même montagne sans rien faire. Oui, se frotter à la philosophie, à ce qui est écrit, est la chose la plus dangereuse, surtout pour moi. Je tourne autour du pot pendant des heures, des jours, des semaines. Je refuse tout contact, je ne veux rien de tout ça. D'autre part, les écrivains qui sont pour moi les plus importants sont mes plus grands adversaires, mes pires ennemis. Je suis en état de permanente défense contre les auteurs auxquels on a totalement succombé, et j'ai succombé précisément à Musil, Pavese, Ezra Pound. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la prose absolue. Ce sont des phrases toutes simples, un paysage décrit en quelques mots dans le journal de Pavese, une esquisse de Lermontov, évidemment Dostoïevski et Turgenev, au fond, tous les Russes. Les Français ne m'ont jamais intéressée, sauf Valérie. En se comparant à de tels auteurs, on se juge ridicule. On n'oserait plus écrire. Mais on en vient, petit à petit, à dominer même les plus grands. On les diminue. On peut se placer au-dessus de Virginia Woolf, de Forster. Et alors là, je dois écrire. Et cette comparaison, c'est précisément l'art qu'il faut essayer de maîtriser. C'est l'unique école qui ait un sens en ce qui me concerne, qui me porte en avant, qui me fasse progresser. Il ne doit rien y avoir d'entier. Il faut le pulvériser. Ce qui est réussi, ce qui est beau, devient toujours plus suspect. Il faut interrompre un chemin, si possible, à un moment imprévu. Rien de plus faux que de terminer réellement ce qu'on appelle un chapitre. Et rien de plus faux que d'écrire un livre jusqu'au bout. C'est la faute la plus grave que je puisse commettre à un auteur. De même, dans les rapports avec autrui, mieux vaut rompre brusquement. Pendant les deux décennies qui vont suivre, Bernard occupe doublement l'espace littéraire, avec les volumes de son autobiographie, avec ses romans, mais il domine aussi sur les scènes allemandes et autrichiennes. Avec son metteur en scène attitré, Klaus Peymann, il forme une sorte de couple, comme Stanislavski avec Tchekhov ou Max Reinhardt avec Strindberg.
15 pièces majeures, et parmi elles toute une série consacrée à des portraits d'artistes comme La Force de l'habitude, Le Faiseur de théâtre ou Minetti, mais aussi sa pièce la plus politique, Avant la retraite. Un juge, qui s'appelle Rudolf Höller, est président du tribunal d'une petite ville. Il est proche de la retraite, mais pendant la guerre, il fut commandant adjoint d'un camp de concentration. Tous les ans, il célèbre l'anniversaire de Himmler. Il enfile alors, dans un long rituel vestimentaire, l'uniforme de l'officier SS qu'il fut, avec la croix de fer première classe sur la poitrine, en demandant à sa sœur d'enfiler la veste rayée des déportés. Son écriture est polyphonique, réglée comme une partition, un monologue musico-théâtral en prose, dont le registre stylistique va du monde de la tragédie baroque jusqu'au comique du théâtre populaire et aux formes d'un jeu clownesque et vaudevillesque. Son univers est peuplé d'hommes de l'esprit, savants, chercheurs, philosophes, artistes, dont l'extrême prétention est bafouée par leur trivialité. Bernard nous montre des despotes tragiques et misogynes qui échouent. Ainsi, il déconstruit les stéréotypes patriarcaux. Ses textes et ses pièces récusent la misogynie que ses personnages affichent. Les 5 dernières années sont comme un feu d'artifice, c'est comme un bouquet final grandiose, comme s'il avait fait lui-même la mise en scène, en fait. Au Centre Pompidou, en 1985-86, l'exposition Vienne, naissance d'un siècle, révèle à un très large public l'importance et l'étendue de la modernité viennoise. Et voilà qu'éclate, presque simultanément, c'est parfait, l'affaire Waldheim. On découvre ce personnage falot et menteur qui a essayé de passer sous silence son rôle d'officier dans la Wehrmacht et qui réussit à accéder à la présidence de la République. Incarnation flagrante du mensonge d'État. D'un coup, toutes les diatribes de Bernard contre l'État autrichien se vérifient. Le scandale est énorme, l'Autriche se clive, mais elle est enfin forcée à se regarder dans le miroir. C'est un véritable tournant dans la culture mémorielle autrichienne. En 1988, 50 ans exactement après l'Anschluss, l'annonce de la création de la pièce « Place des héros » au Burgtheater provoque un déchaînement de haine et de violence à l'égard de Paeman et de Bernhard. Bon, la pièce est l'histoire d'un professeur de mathématiques autrichien, juif, qui a fait sa carrière à Oxford et qui décide de retourner à Vienne en 1988 avec sa femme, mais quand il, par amour de la musique, et quand il découvre qu'il y a en Autriche plus de nazis aujourd'hui qu'en 1938, il décide de repartir en Angleterre, mais quelques jours avant son départ, il se jette par la fenêtre de son appartement qui donne sur la place de Héros, où Hitler a été acclamé en 1938 par une foule en délire. Et donc, on prépare son enterrement. Et dans la presse, on filtrait des extraits des petits propos, comme par exemple « L'Autriche est un cloaque sans esprit ni culture, peuplé par plus de nazis qu'en 1938. » Ou « Dans ce pays vivent 6,5 millions de débiles et de fous furieux. » Fernando Arrabal a eu la bonne idée un jour de faire l'exercice extrêmement simple qui consiste à remplacer le mot « Autriche » par le mot « France ». Je vous invite à le faire. Alors, le soir de la première, le Burgtheater est complet. On joue à guichet fermé. La représentation était censée durer 3/4 d'heure. Elle va durer 1 heure de plus. Pourquoi ? Huée, interjection enragée, mais aussi applaudissements démonstratifs. À la fin... Ah oui, parmi les perturbateurs d'extrême droite, c'était très très nombreux. Le poing brandi est en train d'éructer un certain Karl-Heinz Strache. Il sera 30 ans plus tard vice-chancelier de la République. Comme vous voyez, l'État autrichien fait tout pour rester fidèle à l'image que Bernard en a donnée. Ceci dit, à la fin de la représentation, 32 minutes d'applaudissements quand même. Je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de briser ce record ce soir. Voilà, l'auteur déjà très affaibli, il est vraiment très très malade déjà, il est venu saluer, il a été à la fois ovationné et conspué. Il mourra 4 mois plus tard.
Dans son testament, il prive l'Autriche de son œuvre et interdit à cet État de se rapprocher de sa personne ou de son travail. Pour notre bonheur, son légataire ne se conforme pas à cette volonté. Il crée une fondation, réunit les archives et soutient une édition des œuvres complètes en 22 volumes avec un très riche appareil critique. Parmi les mécènes de cette édition figure la chancellerie de la République autrichienne en charge de la culture. Rayonner, non seulement mondialement, mais universellement, chaque mot dans le mille, chaque chapitre une mise en accusation du monde, avait-il lancé un jour dans un entretien, en plaisantant à moitié. Et en effet, il rayonne. Il est présent sur les scènes en Allemagne, en Autriche et évidemment en France. Ses romans sont adaptés au théâtre. L'éditeur de son théâtre, L'Arche, qui a publié l'ensemble de l'œuvre dramatique, a accordé au cours des 20 dernières années environ 250 droits de représentation. Beaucoup d'écrivains ont témoigné de leur lecture de Bernhard, mais je voudrais en citer un seul qui est assez loin géographiquement et culturellement. Orhan Pamuk écrit ceci. La seule chose que je puisse dire sans sombrer dans des abîmes d'incertitude est peut-être ceci. Ce que j'aime le plus dans les livres de Thomas Bernhard, ce ne sont pas ses obsessions, ses points de vue sur la vie ou sa morale. Il suffit que je sois là, à l'intérieur de ces pages, pour que je m'apaise. Peu importe ce dont parle le texte, la virulence de ses phrases et sa colère inextinguible sont en soi dispensatrices de bonheur. Mais revenons aux extraits que nous allons entendre, qui sont tous tirés du roman Maître ancien. En 1985, il a publié donc ce roman Maître ancien. Il a déjà fini son opus magnum, son roman Extinction. Il le garde sous le coude parce qu'il sait qu'il a très peu de temps à vivre et il tient vraiment à le publier en dernier. Donc, en 1985, il publie Maître ancien, un roman qui porte le sous-titre Comédie. Et vous allez voir que ce sous-titre n'est pas usurpé. Il est en Espagne, où il reste souvent pour des raisons de santé, tout simplement, et il apprend que 30 000 exemplaires de son roman ont été vendus. Il écrit alors à son éditeur, « Je pense que cela aurait pu être même plus de 100 000 si vous aviez donné à mes maîtres anciens le même élan publicitaire qu'on avait fondamentalement petit bourgeois de Martin Valls. Vous n'avez mis qu'un litre d'essence ordinaire dans ma Rolls-Royce en la laissant sur place, alors que dans l'Opel Kadett de votre ami, vous avez fait installer 4 à 5 réservoirs supplémentaires que vous avez remplis de super. Maître ancien, sous-titré comédie, donc un roman. Voilà la situation. Brièvement, le vieux critique musical Rieger, veuf, retrouve quotidiennement son ami Atzbacher dans la salle Bordone du musée d'art ancien à Vienne, devant l'homme à la barbe blanche de Tintoret. Rieger monologue. Il aime et il déteste. Souvent, il aime en détestant, il déteste en aimant. Et il pratique en tout cas cet art supérieur, cette quintessence de l'art qui est l'art de l'exagération. Chez moi, depuis des années, je ne lis plus un seul livre. Ici, dans la salle Bordone, j'ai déjà lu des centaines de livres. Mais cela ne veut pas dire que j'aurai lu tous ces livres jusqu'au bout dans la salle Bordone. De ma vie, je n'ai jamais lu un livre jusqu'au bout. Ma façon de lire est celle d'un feuilleteur supérieurement doué, c'est-à-dire d'un homme qui préfère feuilleter plutôt que lire, qui feuillette donc des douzaines, parfois même des centaines de pages avant d'en lire une seule. Mais quand cet homme lit une page, alors il la lit plus à fond qu'aucun autre, et avec la plus grande passion de lire qu'on puisse imaginer. Je suis plus feuilleteur que liseur, sachez-le. Et j'aime feuilleter tout autant que lire. Et des millions de fois au cours de ma vie, j'ai plus feuilleté que lu. Mais en feuilletant, j'ai eu au moins autant de plaisir et de véritable jouissance de l'esprit qu'en lisant.
j'entre dans un livre et je m'y installe tout entier. Rendez-vous compte. Dans une ou deux pages d'un ouvrage philosophique, comme si je m'apprêtais à entrer dans un paysage, une nature, l'agencement d'un état, un détail de la terre, si vous voulez, afin de pénétrer à fond, et non pas mollement et sans ardeur, ce détail de la terre, de l'approfondir, et ensuite, l'ayant approfondi, de déduire l'ensemble aussi complètement que j'en suis capable. Celui qui lit tout n'a rien compris, a-t-il dit. Il n'est pas nécessaire de lire tout Goethe, tout Kant, pas nécessaire non plus de lire tout Schopenhauer. Quelques pages de Werther, quelques pages des affinités électives. Et pour finir, nous en savons plus sur ces deux livres que si nous les avions lus d'un bout à l'autre, ce qui nous préverait en tout cas du plus pur plaisir. Mais pour nous restreindre avec autant de rigueur, il faut un tel courage et une telle force d'esprit qu'on ne peut les avoir que très rarement et que nous-mêmes, nous ne les avons que très rarement. Tel le baffreur de viande, l'homme qui lit est vorace de la manière la plus répugnante. Et comme le baffreur de viande, il abîme son estomac et sa santé en général, sa tête et toute son existence spirituelle. Même un traité de philosophie, nous le comprenons mieux si nous ne l'avalons pas entièrement. D'un seul coup, mais y picorons un détail, à partir duquel, si nous avons de la chance, nous retrouvons l'ensemble. Ce sont d'ailleurs les fragments qui nous donnent le plus grand plaisir, tout comme la vie nous donne le plus grand plaisir quand nous la regardons en tant que fragment. Et combien le tout nous paraît horrifiant et nous paraît au fond la perfection achevée. D'ailleurs, au fond, tous ces tableaux aussi, ici, dans le musée d'art ancien, me sont insupportables. Pour être honnête, je les trouve affreux. Pour pouvoir les supporter, je cherche en chacun d'eux ce qu'on appelle un défaut rédhibitoire, procédé qui a toujours atteint son but jusqu'à présent, à savoir de transformer toutes ces œuvres d'art prétendument parfaite en un fragment, a-t-il dit. Heidegger. Dem die Kriegs- und Nachkriegsgenerationen nachgelaufen sind und den sie mit widerwärtigen und stupiden Doktorarbeiten überhäuft haben, schon zu Lebzeiten, sehe ich immer auf seiner Schwarzwaldausbank sitzen, neben seiner Frau, die ihm in ihrem perversen Strickenthusiasmus ununterbrochen Winterstrümpfe strickt, mit der von ihr selbst, von der eigenen Heidegger-Schaffen heruntergeschorenen Wolle. Heidegger, kann ich nicht anders sehen, als auf der Ausbank seines Schwarzwaldhauses neben sich seine Frau, die ihn zeitlebens total beherrscht, und die ihm alle Strümpfe gestrickt und alle Hauben gehäkelt hat und die ihm das Brot gebacken und das Bettzeug gewebt und die ihm selbst seine Sandalen geschustert hat. Heidegger war ein Kitschkopf, sagte Rege. Heidegger, après qui ont couru les générations de la guerre et de l'après-guerre, qui déjà de son vivant ont déversé sur lui une avalanche de thèses de doctorat répugnantes et stupides. Je le vois toujours assis sur le banc devant sa maison de la Forêt-Noire, à côté de sa femme, qui, dans son enthousiasme pervers pour le tricot, lui tricote sans arrêt des mi-bas d'hiver avec la laine, tondue par elle-même de leur propre mouton heideggerien. Heidegger. Je ne peux pas le voir autrement qu'assis sur le banc devant sa maison de la Forêt-Noire. À côté de lui, sa femme,
qui toute sa vie l'a complètement dominé et qui lui a confectionné tous ses mi-bas au tricot et tous ses bonnets au crochet et qui lui a cuit son pain et tissé ses draps et qui lui a même fabriqué ses sandales. Heidegger était une tête kitsch, a dit Reger. Tout comme Stifter, mais tout de même encore plus ridicule que Stifter, qui était en fait un personnage tragique. Contrairement à Heidegger, qui n'a jamais été que comique. Tout aussi petit bourgeois que Stifter, tout aussi effroyablement mégalomane. Un faible penseur préalpin, selon moi, tout juste fait pour la potée philosophique allemande. Ce Heidegger, ils l'ont tous avalé gloutonnement pendant des décennies, plus que tout autre, et ils en ont bourré leur estomac allemand de germanistes et de philosophes. Heidegger avait une figure ordinaire, pas une figure marquée par l'esprit, a dit Reger. C'était un homme tout à fait dépourvu d'esprit, dénué de toute imagination, dénué de toute sensibilité. Un ruminant philosophique foncièrement allemand. Une vache philosophique continuellement pleine, a dit Reger, qui paissait sur la philosophie allemande et qui, pendant des décennies, a lâché sur elle ses bouses coquettes dans la forêt noire. Heidegger était en quelque sorte un escroc philosophique, a dit Reger, qui a réussi à mettre sans dessus-dessous toute une génération de spécialistes allemands en sciences humaines. Heidegger est un épisode repoussant de l'histoire de la philosophie allemande, a dit Reger, auquel tous les Allemands savants ont participé et participent encore. J'ai vu une série de photographies qu'une photographe de très grand talent a faite de Heidegger, qui a toujours l'air d'un officier d'état-major bedonnant à la retraite, a dit Reger, et que je vous montrerai un jour. Sur ces photographies, Heidegger se lève de son lit, Heidegger se recouche dans son lit, Heidegger dort, il s'éveille, il met son caleçon, il enfile ses mi-bas, il boit une gorgée de vin nouveau, il sort de son blockhaus, il contemple l'horizon, il taille son bâton, il met son bonnet, il ôte son bonnet, il tient son bonnet dans ses mains. Il écarte les jambes, il lève la tête, il baisse la tête, il met sa main droite dans la main gauche de sa femme met sa main gauche dans sa droite à lui. Il marche devant la maison, il marche derrière la maison, il se dirige vers la maison, il s'éloigne de la maison. Il lit, il mange, il trempe sa cuillère dans sa soupe. Il se coupe une tranche de pain cuit par lui-même, il ouvre un livre écrit par lui-même, il ferme un livre écrit par lui-même, il se baisse, il s'étire, et ainsi de suite. A dit Reger. C'est à vomir. Es ist zum Kosten. L'admiration des gens soi-disant incultes est tout à fait naturelle. En revanche, l'admiration des gens soi-disant cultivés est une perversité positivement perverse, a dit Reger. Voyez-vous, Beethoven, le dépressif chronique, l'artiste d'État, le compositeur d'État par excellence. Les gens l'admirent. Mais au fond, Beethoven est tout de même un personnage parfaitement repoussant. Tout chez Beethoven est plus ou moins comique. Quand nous écoutons Beethoven, nous entendons sans cesse une détresse comique. Le grondement, le titanesque, la stupidité de la marche militaire. Jusque dans sa musique de chambre. Quand nous écoutons la musique de Beethoven, nous entendons plus de tintamarre que de musique. Dans la marche cadencée des notes, en sourdine, l'état, a dit Reger. J'écoute quelque temps Beethoven, par exemple l'Héroïka, et j'écoute avec attention. Et j'entre en fait dans un état philosophico-mathématique et je reste aussi pendant longtemps dans un état philosophico-mathématique, a dit Reger. Jusqu'au moment où, tout à coup, je vois l'auteur de l'Héroïka. Et pour moi, tout est cassé parce que
dans Beethoven, effectivement, tout marche au pas cadencé. J'écoute l'Eroica, qui est pourtant en fait une musique philosophique, de bout en bout philosophico-mathématique, a dit Reger. Et tout à coup, tout est gâché et cassé pour moi parce que, tandis que l'orchestre philharmonique joue cela de façon si naturelle, j'entends d'un instant à l'autre l'échec de Beethoven. J'entends son échec. Je vois sa tête de marche militaire. Comprenez-vous ? A dit Reger. Alors, Beethoven m'est insupportable. Comme cela m'est également insupportable quand j'entends l'un de nos chanteurs, avec ou sans bedaine, massacrer le voyage d'hiver, voyez-vous. Car le chanteur de Lieder, qui porte un habit et appuyé au piano chante la corneille, est toujours insupportable et ridicule à mes yeux. Il est d'emblée une caricature. Il n'y a tout de même rien de plus ridicule, a dit Reger, qu'un chanteur de Lieder ou d'air, debout en habit à côté d'un piano. Comme la musique de Schubert est sublime quand nous ne voyons pas comment elle est interprétée, quand nous ne voyons pas ces interprètes d'une insondable crétinerie avec leurs boucles coquettes. Mais naturellement, nous les voyons lorsque nous sommes dans la salle de concert et dès lors, tout est seulement pénible et ridicule et une catastrophe pour la vue et pour l'ouïe. Le chanteur est ridicule et pénible, il peut chanter comme il veut, qu'il soit ténor ou basse. Toutes les cantatrices, elles peuvent être habillées et chanter comme elles veulent. Elles ne sont jamais que ridicules et pénibles, a-t-il dit. Un racleur ou un pinceur de cordes sur une scène, c'est trop ridicule, a-t-il dit. Même Bach, ce gros puant à l'orgue de Saint-Thomas, n'a été qu'un personnage ridicule. Et profondément pénible. Tout de même, cela ne se discute pas. Non, non, les artistes, et même si ce sont les plus importants, et pour ainsi dire les plus grands, ne sont que kitsch et pénibles et ridicules. Toscanini, Furtwängler, l'un trop petit, l'autre trop grand, ridicule et kitsch. Et si vous allez au théâtre, le ridicule, le pénible et le kitsch vous donnent positivement la nausée. Toute notre vie, nous nous reposons sur les grands esprits, sur les soi-disant maîtres anciens. Voilà ce qu'a dit Reger. Et alors, nous sommes mortellement déçus par eux parce qu'ils ne remplissent pas leur office au moment décisif. Nous thésaurisons les grands esprits et les maîtres anciens et nous croyons qu'ensuite, au moment décisif pour la survie, nous pouvons les utiliser à nos fins. Ce qui ne signifie d'ailleurs rien d'autre qu'en abuser à nos fins, ce qui se révèle une funeste erreur. Nous remplissons de ces grands esprits et de ces maîtres anciens le coffre-fort de notre esprit et nous revenons à eux au moment décisif de la vie. Mais lorsque nous ouvrons ce coffre-fort de l'esprit, il est vide. Voilà la vérité. Nous sommes là, devant ce coffre-fort de l'esprit, vide, et nous voyons que nous sommes seuls, et en vérité dans un dénuement complet. Voilà ce qu'a dit Reger. Lorsque vous avez perdu l'être qui vous était le plus cher, le plus proche, tout vous paraît vide. Vous pouvez regarder où vous voulez. Tout est vide. Et vous regardez et regardez et vous voyez que tout est vraiment vide. Et cela pour toujours, a dit Reger. Et vous reconnaissez que ce ne sont pas ces grands esprits et pas ces maîtres anciens qui vous ont maintenu en vie pendant des décennies. Mais
que ce n'a été que ce seul être que vous avez aimé plus que tout autre. Et dans cette reconnaissance, et avec cette reconnaissance, vous êtes seul. Et rien ni personne ne vous vient en aide. Voilà ce qu'a dit Rega. Vous vous enfermez dans votre appartement et vous désespérez. Voilà ce qu'a dit Rega. Et vous désespérez plus profondément de jour en jour et de semaine en semaine. Vous tombez dans un désespoir de plus en plus désespéré. Voilà ce qu'a dit Rega. Mais tout d'un coup, vous sortez de ce désespoir. Vous vous levez et vous sortez de ce désespoir mortel. Vous avez encore la force de sortir de ce désespoir le plus profond. Voilà ce qu'a dit Rega. Je me suis soudain levée du tabouret tourné vers la Zingerstrasse et je suis sortie de mon désespoir et je suis descendue dans la Zingerstrasse. Voilà ce qu'a dit Rega. Et j'ai pénétré de quelques centaines de mètres dans le centre-ville. Je me suis levée du tabouret tourné vers la Zingerstrasse et je suis sortie de l'appartement et j'ai pénétré dans le centre-ville avec la pensée de faire à présent encore une seule tentative, une tentative de survie. Voilà ce qu'a dit Rega. Je suis sortie de l'appartement de la Zingerstrasse et j'ai pensé, je vais faire encore une seule tentative de survie et avec cette pensée, j'ai pénétré dans le centre-ville. Voilà ce qu'a dit Rega. Et cette tentative de survie a réussi. Je me suis sans doute levée au moment décisif et sans doute au tout dernier moment de mon tabouret tourné vers la Zingerstrasse et je suis descendue dans la Zingerstrasse et j'ai pénétré dans le centre-ville. Voilà ce qu'a dit Rega. Naturellement, une fois rentrée chez moi dans mon appartement, j'ai subi un contre-coup après l'autre. Vous pensez bien qu'avec cette seule et unique tentative de survie, la question n'était pas réglée. Ensuite, j'ai dû faire plusieurs centaines de ces tentatives de survie. Mais toujours, à nouveau, je les ai faites et toujours à nouveau, je me suis levée du tabouret tourné vers la Zingerstrasse et je suis allée dans la rue. Et alors, je me suis effectivement retrouvée parmi des gens, parmi les gens. Et je me suis finalement sauvée. Voilà ce qu'a dit Rega.